localiser effectivement le site de l'avion de Niamey vers Zinder. Parce que tout simplement, à partir de Zinder, nous sommes au milieu. On peut facilement intervenir à l'est comme à l'ouest, mais également au nord. Et donc c'est pourquoi maintenant l'avion va rester. Jusque-là, c'était à Niamey qu'on faisait les opérations. Alors en quoi ça consiste l'opération? C'est l'opération qui est proposée, c'est tout simplement une méthode de, si vous voulez, de modification du temps et donc particulièrement d'assémancement des nuages. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Et comme vous pouvez le voir, donc nous avons des cartouches ici, les cartouches assez, au niveau des ailes, mais également en dessous, vous pouvez voir donc il y a un certain nombre de cartouches. Donc ça c'est pour les interventions en dessous. Quand il y a un nuage qui commence juste à s'initier, c'est bon d'injecter donc le chlorure de calcium qui va rentrer dans donc, le vent ascendant, qui va essayer de constituer comme des noyaux de condensation. Vous savez, et quelle qu'en soit l'humidité qu'il y a, après la condensation, il faut qu'il y ait des petites particules de poussière, d'aérosol, donc de façon générale, sur lesquelles les gouttelettes vont se former. Donc les noyaux, donc si vous voulez, les gouttelettes de nuages, ça ne se forme pas comme ça, il faut des particules minuscules. Et on injecte cela, c'est aussi des particules qui va s'augmenter à ce qui existe naturellement pour donc booster, si vous voulez, initier le développement des gouttelettes à l'intérieur des nuages et donc éventuellement assister donc à un grossissement de ces gouttelettes-là pour tomber sous forme de pluie. Donc c'est cela. Et le deuxième, c'est l'iodure d'argent. Donc qui est cette fois-ci utilisé au-dessus des nuages. Donc on balance des cartouches, n'est-ce pas, au-dessus des nuages pour un nuage qui a atteint un certain niveau. Donc les particules là vont accélérer et donc la captation entre les gouttelettes pour les grossir assez rapidement et aussi permettre de augmenter la quantité de pluie et les précipitations produites donc sous forme de pluie chez nous, n'est-ce pas. Et donc c'est ça, c'est à cela que ça consiste. C'est vrai qu'en termes de quantité de pluie, nous en avons beaucoup. Nous avons même des inondations du fait que le nombre de jours de pluie diminue et que la quantité augmente donc en grande partie. Mais nous, malheureusement, nous avons également à l'intérieur des saisons beaucoup de séquences sèches, des pauses climatiques très prolongées, et cela affecte le développement des cycles de culture, n'est-ce pas, mais également les pâturages. Okay? Donc c'est pour cela. Cette expérience qui se faisait au Mali depuis 2006, hein, et donc le président a voulu pour amener cela et pouvoir, n'est-ce pas, régler ou agir sur ce problème de sécheresse, avoir beaucoup plus de jours de pluie et également augmenter par la même occasion la quantité de pluie qui tombe et donc pouvoir avoir un profil de la saison beaucoup plus acceptable qui puisse de faire en sorte qu'on ait un rendement assez conséquent. L'exemple de l'année passée est révélateur. Dans 2021, nous avons en grande partie sur le pays, on a eu des pluies excédentaires, mais cela n'a pas suffi parce qu'il y a eu des arrêts de pluie de 2, 3, 4, 1 mois, plus de 1 mois sans pluie l'année dernière. Et c'est ça justement qui a perturbé le cycle de développement des cultures, mais également des pâturages. Et on a eu une baisse, n'est-ce pas, de rendement assez considérable, mais également de baisse des matières sèches, donc des pâturages également, où le président, il faut lui la remercier, a eu quand même le réflexe d'injecter des milliards pour pouvoir assister nos producteurs et nos populations nigériennes. Donc, pour arriver à minimiser ce genre de choses, il est important donc de conduire de tels programmes, donc qui est piloté au niveau national par la direction de la météorologie nationale, où une équipe spéciale a été mise en place pour suivre au quotidien le nuage, les traquer et pouvoir en donner l'ordre pour l'ensemencement. On travaille avec les partenaires donc de IBI. IBI, c'est le partenaire donc un consortium malien qui a les aéronefs et qui a l'expertise de plus de 30 ans à 40 ans, n'est-ce pas, dans le domaine des pluies provoquées. Et donc c'est à eux qu'on a fait appel au Niger pour nous assister à faire ces opérations-là sur le terrain.